Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous allez tous bien. Merci beaucoup. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans les rois. Les livres qui a roi ou allé. Chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Deux rois, chapitre 2, verset 12. Roi ou allé, chapitre 2, verset 12. Vous y êtes? La Bible dit. La Bible est de la Kounde. Élisée. Regardez et criez, mon père, chat Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus. Mais disons que c'est un peu de l'année, dit à la matinée, mon veuille. M'dou ma question de l'homme à mon nom. Saisissant alors ses vêtements, il le déchirait en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'il y avait laissé tomber. Puis le retournant, il s'arrêta au bord du Jourdain. Il a pris le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Dino yengoya qui blande, do kasinde bal diel, do yuni journe, do yengoya no damo blande, nin jamele olikun. Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là et il s'arrêtait par ça. Do yengoya no damo blande, anja kabe, et les eaux yudo krikade. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Ban ma kina, à mon nom, binelle le hula, Élisée, voyez tout en ande, waou d'avo. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, Diamove Tarab Sayulo, ce soir, nous revenons encore vers toi pour te dire merci. Parce que si nous sommes en vie, c'est grâce à toi, le Dieu Tout-Puissant. Tu nous as épargné, tu nous as protégé, tu nous as conduit et tu as permis que ton souffle de vie soit maintenu en nous. Alors, nous vous demandons, Seigneur, de nous soutenir ce soir, afin que cette prédication soit une bénédiction pour ton peuple. Délier tes enfants de tous les liens de famille, de coutume et de tout genre. Et donne-nous une réunion merveilleuse. Pour chacun de tes enfants sortir ici avec quelque chose venant de toi. Assiste-nous, Seigneur. Et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ. En cours Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Et ceux qui sont dehors peuvent entrer. Merci à notre Dieu pour le souffle de vie et la santé qu'il nous a accordé. Et je crois que chacun de vous est content d'être ici. Amen. Et si nous continuons notre enseignement sur la promesse de Malachie 4. La promesse de Malachie 4. Et la fois passée, nous avons montré qu'une promesse a trois facteurs. Il y a la personne qui est l'auteur de la promesse. Et il y a la personne qui apporte la promesse.
Et il y a le destinateur de la promesse. Dieu promet quelque chose. Et il utilise un homme pour apporter cette promesse. Et cette promesse est destinée à un peuple. Donc il ne peut pas avoir une promesse s'il n'y a pas un peuple qui doit la recevoir. Et la Bible dit chaque toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et les promesses de Dieu sont infaillibles. Ce que Dieu a promis, Dieu l'accomplirait. Peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe les années, Dieu va l'accomplir. Alors, il est heureux de celui qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et vous devez croire aux promesses de Dieu. Dites amen. Ok, pendant que nous sommes assis, nous avons vu que Dieu nous avait promis en ce temps de la fin, Élie le prophète. Et Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 17, en a parlé de cet Élie qui doit venir. Disons quelque chose. Et vous prenez vos Bibles pour noter, ça vous fera du bien quand vous serez à la maison. Jésus avait promis qu'avant la fin du temps, qu'avant la destruction de la terre, Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Ce sont les propres paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Élie doit venir avant la destruction de la terre. Dieu a promis qu'il va nous ramener à la foi de Père. Et je ne sais pas si vous me suivez ce matin, ce soir. Alors, nous avons dit que ce temps que Élie doit venir, c'est avant la destruction. Il ne viendra pas après la destruction. Mais il viendra avant la destruction de la terre. C'est pour que les gens entendent son message et s'échappent à la destruction. Et tous ceux qui croiraient au message de lui qui a été promis seront enlevés. Ils ne vont pas mourir. Ils ne passeront pas par la mort. Mais ils seront enlevés. C'est pourquoi le message est venu. C'est pour préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Parce que Dieu va détruire la terre. Mais avant cette destruction, Dieu a envoyé un prophète avec un message pour que ceux qui croiraient à ce message puissent s'échapper à la destruction. Amen. Prenons la Bible. C'est un enseignement. Et ça doit être biblique et prophétique. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. La parole de Dieu dit que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisirent sur une haute montagne. Et tous les chameliers d'abord et bien les argent, d'obéir au lieu pour. Ok. Il y a trop de vent ici. Pouvez-vous déplacer mes machins? Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Et vous amenez aussi d'autres
Matthieu chapitre 17. Comme ça, le frère Théo sera déboussé sa chair. D'accord. Tu ne viendras pas sur ma chair, tu resteras sur ta chair. Dans Matthieu chapitre 17, mes amis, la Bible dit 6 jours après Jésus-Pierre, Pierre, Jacques et Jean. Sur une haute montagne. Suivez-moi bien ce soir. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent des vêtements blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie l'un à Paris, ils s'entretenaient avec lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit : Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et le virent que Jésus seul. Quand il descendait de la montagne, Jésus lui entendait cette parole, ne parlait à personne de cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posaient cette question : pourquoi tant que les scribes disaient-ils que l'île doit venir premièrement ? Il a répondu : il est vrai que l'île doit venir et il établit toutes les choses. Mais je vous dis que l'île est déjà venu et qu'il n'a pas répondu. Et qu'il l'a traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Je voudrais que vous suivez bien. Jésus avait beaucoup de disciples. Mais Jésus avait dans son cœur des choses. Parler à un groupe de disciples que tout le monde ne doit pas comprendre. Parmi tous ces disciples, Jésus n'a choisi que trois pour aller avec lui sur la grande montagne que nous appelons la montagne de la transfiguration. Vous comprenez et vous croyez qu'il avait beaucoup de disciples, mes amis? Mais il n'a pas pris tout le monde pour les amener là-bas. Il n'a plus que trois. C'était le choix de Dieu lui-même. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut faire grâce. Et il fait miséricorde à qui il veut. Ils étaient tellement nombreux, chers amis. Mais Jésus n'a pas appelé tout le monde. Jésus n'a pas attiré tout le monde. Il n'a attiré que trois. Jacques et Jean. Sur des centaines de milliers de beaucoup de disciples qu'il avait. Mais il attira seulement trois. Je crois. Trois. Pierre. Jacques. Et Jean. Et il les emmena sur une haute montagne. Je n'ai pas eu le temps de vous amener les photos de cette montagne que j'ai amené d'Israël. C'est bien. Une grande montagne d'au moins 1000 mètres d'altitude. Et je vous pose la question, comment Jésus-Christ est arrivé là-bas alors qu'il n'y a pas de voiture à l'époque?
il faut des sacrifices pour atteindre certains buts. Il a pris Pierre, Jacques et Jean et il les amena là. Au sommet de la montagne. Est-ce que vous me suivez? Au sommet de la montagne, là-haut. Et tous les autres, ils les ont laissés ici en bas. Dieu, en ce jour, a pris l'épouse et il l'a amenée en haut. Et il a pris les autres églises et il les a laissées en bas. Il a pris l'aigle et l'épouse et il l'a amenée en haut là-bas. Pour l'enseigner de grandes choses. Hein, les choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Et l'épouse a été bénie pour entendre ces choses. Mais la Bible dit que le temps arrivé là-bas en haut, il fut transfiguré. Transfiguré, ça veut dire Jésus changea de figure. Amen. Amen. Il a changé la figure. En d'autres termes, ce n'est pas la même personne. C'est la même figure que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 1er. Quand Jean l'a rencontré dans la vision de Patmos. Et c'est la même forme que nous le voyons descendre dans Apocalypse 10. Donc la blanche puissante qui descend dans Apocalypse 10 a une figure qui brille comme le soleil. C'est le même ange que vous voyez dans Apocalypse chapitre 1er que Jean a vu, mais c'est la même forme que Jésus-Christ avait vu sur la montagne de la transfiguration. Vous serez vraiment bénis, mes amis. Amen. Cette forme-là, transfiguré là. Hein, de Matthieu 17. L'Apocalypse chapitre 1er. L'Apocalypse chapitre 10. Cette forme-là. Est-ce que je peux vous dire des choses? C'est la forme qu'il avait là-bas dans la Genèse. C'est cette forme-là. En d'autres termes, c'est Jésus-Christ dans sa gloire. Et le prophète Branham dit, c'est de cette manière qu'il reviendra. Et je m'attends à vos amis. C'est comme ça. Voilà, Bible dit, nous serons tels qu'il est. La Bible dit, ça veut dire que donc nous aurons une grande gloire qui va nous environner. Tels que Jésus. Tel que nous serons. Continuons maintenant notre sujet. Il a pris Pierre, Jacques et Jean pour les amener là-bas. Et le prophète Branham dit que Pierre représente la foi. Et Jacques, c'est l'espérance. Et Jean, c'est l'amour. Et dans la brochure Adoption spirituelle, paragraphe 95, la Bible dit ces trois choses sont en vous, elles vous amèneront plus proche du royaume. Pour être un véritable chrétien, tu dois avoir ces trois choses dans ta vie. La foi. L'espérance et l'amour, si vous avez ces trois choses, elle vous amènera plus proche du royaume.
Maintenant, vous qui êtes l'épouse de Jésus-Christ, rien ne vous sera caché. Et je vais vous parler de choses qui sont un peu plus profondes ce soir. Quand Jésus-Christ est arrivé là-bas, Jésus-Christ est retourné quoi? Oui, la parole nous dit Pierre, Jacques et Jean. Oui, la parole dit Pierre, Jacques et Jean. Elle représente les 144 000. En d'autres termes, ça représente les Juifs. Mais pendant qu'ils sont là-bas en haut, la planète est une lumière lumineuse, les environnés. La Bible dit que les boulettes avaient les cibles. Il y a une Élie qui est apparue, il y a une Moïse qui est apparue au milieu d'eux. Il y a Élie, autour Moïse, autour de Calébo. Pendant qu'ils sont sur la route, tu le semais dans le temps. On dit l'homme a dit qu'il y a le nom de Moïse est apparu. Moïse autour. Élie est apparu. Élie autour. À côté de Jésus. Donc sur la montagne là-bas, nous avons Moïse. Et nous avons Élie. Et tous étaient environnés par Jésus-Christ était là. Vous venez de comprendre que Pierre, que Jésus a mené là-bas reprendre la foi. Et Jacques représente l'espérance. Et Jean représente l'amour. Et sur la montagne, il y a eu Élie qui est apparu, Moïse est apparu. Et il y a aussi Jésus. Jésus a dit. Vous parlez de Moïse. Représente la loi 1. C'est la justice par la loi. Non, Moïse est founi. Et Élie, c'est la justice. Non, Élie, au pas. Et Jésus, c'est la grâce. Non, Jésus, on le colo. Pas la main. Amen, amen. Vous remarquez, frère. Élève la voix. Que Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et la grâce. Voilà, voilà. Donc la loi est sortie de Moïse. La justice est sortie de Moïse. Et tout est de Moïse. Est sortie de Jésus. Le pape est tout Élie. Et le prophète Branham dit, Élie est passé avec sa justice. Moïse est passé avec sa loi. Moïse, et tout là venait se ça se dirigeait vers le Messie. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Moïse est là. Moïse est là. Élie est là. Élie est là. Et Jésus au milieu. Jésus au milieu. Ok. Quand Pierre a regardé. Il est devenu très excité. Le Seigneur. Il est bon que nous soyons ici. Et nous allons régler, nous allons dresser trois tentes. Une pour toi. Une pour Moïse. Et une pour Élie. Pendant que Pierre voulait commencer une organisation autour du surnaturel. La voix arrêta ça. Amen. 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 La vérité. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-moi. Oh, dans Matthieu chapitre 3, quand Jésus-Christ a été baptisé, une nuée est descendue. Amen. Et la nuée a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Point. Et vous croyez à cela, dites un amen. Maintenant, Matthieu 17, la même voix a repris les mêmes mots. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et il ajouta, écoutez-le. Pourquoi la passe est seulement mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection? C'était le moment que notre Seigneur Jésus-Christ avait reçu le baptême du Saint-Esprit.
Et dans Matthieu chapitre 17, c'est un moment que notre Seigneur Jésus-Christ a été emporté. Mais Dieu ne peut pas adopter une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit. D'un Dieu invisible. Je vais même aller plus loin, devient Elohim dans la chair. Devient Dieu dans la chair humaine. Dieu parla par un nom. Dieu agissant par un nom. Il est plus fidèle, il est plus fidèle.
Il dit, vous voulez quoi? Vous voulez faire quoi? L'organisation. Autour de la nuée. Autour de la descente de l'ange puissant. Vous voulez commencer à rendre l'église partout, partout. Vision de pierre. Maintenant les tabernacles. Dieu a dit écoutez-le. Dieu n'a pas dit écoutez-le. Mais écoutez-le. Apocalypse chapitre 4, première partie. On a dit Élie, non Moïse, sur la montagne de la transfiguration. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il représente tous les saints qui sont morts au cours des âges. Amen. Amen. Du premier âge. Jusqu'au septième âge le matin. Parce que le septième âge le matin, c'est l'âge pentecôtiste. Ils ont été représentés sur la montagne de la transfiguration par Moïse. Maintenant, son nom dit Élie. Sur la montagne de la transfiguration, ange et son groupe qui seront translatés. Je ne sais pas si vous nous comprenez bien. Moïse représente tous ceux qui sont morts au cours des âges. Mais Élie représente le septième ange. En d'autres termes, William seront translatés par la colonne de feu. Donc dans notre âge, l'épouse, je lis une chose, je vous fais madame à crier. Alors moi aussi je dis est-ce que ce que je veux dire les gens vont croire? Non, les temps de fin. Ça va être ça. Nous allons subir la translation. C'est pourquoi dans notre âge ici, il n'y a pas de mort. Quand je serai parti, un incrédule vous dira, William Branham est
également. Nana m'a dit, ne le croyez pas.
Il dit l'ouverture des seaux en ces derniers jours supprime complètement la possibilité de sommeil des âmes. Dans cet âge, après le capture de saut, il n'y a plus de sommeil dans ça. Vous changez de dimension. Et vous êtes vivant là où vous êtes. Je vais vous dire quelque chose. Eh mes enfants, je vais vous dire deux choses. Promettez-moi que vous allez dire amen. Paul avait dit dans 2 Corinthiens 5. Si cette tente que nous habitons est détruite, nous avons un autre qui nous attend. Salut.
cette tente que nous habitons est détruite. Nous allons notre qui nous attend. Quand nous quittons ici, nous entrons là-bas. Même Frère Branham en a parlé dans les premiers moments de son ministère. Mais à parler de nous quittons ici et nous entrons là-bas. Quand nous mourrons, nous ne serons pas des mythes. Tu es Pierre? You are Pierre. Sur ce roc, Amen. Je bâtirai mon église. Quelle église de Jésus est venue bâtir? Est-ce que c'est le temple de Jérusalem?
quelque chose qu'on adore. Le septième ange, il vous met à l'air. Amen.
Mais moi, je vais prendre
Je pensais maintenant sur ce que je deviendrai après la mort. Une voix m'a dit, voulez-vous que je te montre ces choses? La maladie dit que ça me fera du bien. Pendant que je dors, du pouf, je suis sorti de mon corps. Mais je peux me tenir et voir le vieux Branham en train de dormir. Abraham dit avec les mains derrière la tête. Comment je peux être là-bas et être ici au même moment? Est-ce que je suis mort? Mais je regarde bien. Je vois le vieux Branham en train de dormir et il le respire aussi bien. Alors du coup, j'ai commencé à voyager.
Amen. On doit mauvais.
Est-ce que tu me connais moi? Dis-moi, Moïse. C'est moi, papa. Dis-moi, ma robe. Oh là là. Une jeune fille vient. Donc, montre ses frères. Montre le cadre. Tu m'as montré. Tu connais la jeune fille qui vient dans mon sein. Oh, nous, on fait le cadre à moi. Oh, le bébé qui est mort. Il est à moi, il est à moi. C'est comment ça? Mais elle est morte dans le bébé. Il a tout la tête de la bouche. Mais comment c'est une grande fille? Ici, il n'y a pas de bébé. Ici, il n'y a pas de vieillard. Ici, il n'y a pas de chéri. C'est l'amour parfait. Ta visite est terminée ici. Oh, tu as voyé pour nous, pour moi. Tu as fait le bon tourisme, c'est bon, allez, tu dois retourner. Oui, on se le dit, on va au pauvre. Non, mais où? Brada me dit, écoute. Il dit, monsieur, la tête. Non, il m'a dit. Est-ce que tu n'as pas terminé? Donc, tu m'as mené, elle est où? On a dit, moi. Elle est où? Ne me mets pas. On lui a dit allez repartir. Il a revu un bouton. Que vous voulez prouver
jamais mourir avec l'avion accidenté. Non. Votre corps, votre âme sort. Dès que ça sort de cette dimension, ça devient fort. D'assister pour moi la chance. Oui, l'assister, laisse-le faire. Bon, parlons du prophète. Votre prophète parle de ceci là. Le choc qui va arriver 1965. Prophète, là, tu vois, maman, je vais vous suivre le prophète. Allez, maquiser le bateau, vous voulez. Je viendrai avec la parole. Paragraphe 106, il faut nous dire. Paragraphe 106, il faut dire. Le chien a 1965. Gardez. Je m'en fous du courant. Voyez-moi par la foi. Regardez-moi par la foi. Cette vieille tente terrestre ici, vous savez qu'est-ce que c'est? Ce corps, c'est comme un vieux veston qu'on porte. Un veston qu'on a porté autrefois. Maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous ne portez plus l'ancien. Amen. Qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez dans le placard. Parce que vous en avez un meilleur. Amen. Vous avez un meilleur veston. Amen. Il est plus au goût du jour que l'ancien que vous aviez. L'habitude de porter qui est usé. Qu'est-ce que c'est? C'est un vêtement. Vous, c'est ce qui est à l'intérieur. Souvenez-vous, ce vêtement, ça. Que faisait-il? Il ne faisait que porter votre image. C'est une loque. Amen. Il dit, c'est une loque. Il dit, mais maintenant vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. C'est une loque. Et c'est ce qu'il en est de ce vieux corps. C'est la porte, l'image du céleste. C'est la porte, l'image du céleste. C'est ça. Parce que je m'approche des choses compliquées. C'est la vérité. La foi continue. Il ne faisait que porter votre image, voyez. Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Voilà, c'est une loque. Et c'est ce qui en est de ce vieux corps. C'est la porte de l'image du céleste. Pourtant, ce n'est pas vous. Hein? Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Alléluia. Vous vous êtes où? Alléluia. Dans ce corps. Oui. Donne-moi mon veste. Ce corps. Oui. C'est la veste. Cette veste représente vous, extérieur. Ça, ce n'est pas mon symbole. Mon symbole est dans sa voix.
va mourir. Et ce corps-là, ça reste. Ça reste. Et vous plaît, je ne suis plus là-bas. Quand que vous me plaît, moi je vous regarde. Et le regard, moi, ces choses-là, ils sont pleurés la tête. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, êtes à l'intérieur de ce corps. C'est cela qui amène l'extérieur en soumission. Parce que c'est l'intérieur qui appuie, qui l'amène à s'aligner avec la parole de Dieu. Votre intérieur, vous-même, votre être, ce corps, ce n'est qu'un vieux manteau. Un jour, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est que vous étiez dans ce vêtement pour un temps. C'est comme ce vêtement terrestre. C'est votre corps, votre vrai corps, votre vrai moi, qui se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau qu'on appelle William Branham. Ou Suzy Jones. Ou de n'importe quel autre. Voyez, un jour, il sera rangé au musée terrestre du souvenir qui reste de vous. Vous le déposerez là, là-bas, dans la tombe. Et quelqu'un érigera une écriture et une pierre tombale. Ici, j'ai le révérend Antoine. Aux gens, ceci ou cela, il le jura en votre mémoire. En lui, si les gens vous voyez, alors que ce que vous étiez réellement, votre vrai moi était à l'intérieur. Il n'y a pas de main? Mais le vieux manteau, pour le moment, il ne faisait que le porter l'image du céleste. Le temps vous allez lire la brochure. La première figure de pause, paragraphe 141. Je vais pas le dire. Si vous n'avez pas cette téléphonie là, vous ne comprendrez jamais le message. Interprète la parole. Et quand vous allez au paragraphe 145 de la demeure future, le chien n'est pas 144. Dès que vous êtes né de nouveau, Dieu fait descendre votre révélation. Dis amen. Amen. Pourquoi quand William Branham est parti au ciel, il n'a pas vu le corps des autres frères qui sont restés sur la terre. Il n'a vu que le corps des frères qui sont morts. Disons ça comme ça. C'est pas pour dire que les théophanies ne sont pas aussi. Amen.
tranquille. Il va refuser. Si l'homme veut t'amener à pécher, à forniquer, il n'arrivera pas. C'est pourquoi salut dans ce temps. Le mari de nuit ne peut pas le suivre.
entendez quelque chose venant de votre théophanie. Comment peut habiter dans deux corps à la fois? Vous ne connaissez pas le mystère? Genèse 18. On a eu un corps de chair. Amen. Avec un corps théophonique. Et lui. Michael. Michael. Les anges ont le corps théophanique. Avec le corps de chair. Amen. Et il est venu chez Abraham. Oui. Vous avez ça en vous. Amen. Ce que vous attendez maintenant, c'est la glorification. Vous attendez quoi maintenant? La glorification. Ça attend maintenant. Vous avez dit, pasteur. Est-ce que je peux disparaître? Mais on va là. Si tu le veux. Si on le veut. Tu ne disparaissez pas. C'est parce qu'il y a pas une bonne pression sur votre corps. Vous êtes seul. Devant un lion. Qui va vous bouffer? Vous saurez ce que vous êtes. Vous êtes tous. Ah, laissez-moi vous donner un exemple. Jonathan. Jonathan était dans le champ de bataille. Hein? Josaphat. Il va aller comme ça. Il y a l'ennemi. Il va aller comme ça. Il y a l'ennemi. Il va aller comme ça. Et toutes les armées là venaient vers lui. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Josaphat a poussé un cri. Et il a disparu du champ de mission. Le champ de bataille. Il a traversé l'armée de l'ennemi sans être aperçu. Si vous me permettez d'aller un peu plus loin, ça ne viendra pas. C'est déjà en vie. Dès qu'il y a une circonstance, quand vous serez. N'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. Je vais enseigner l'église. Ce soir, il y a quelque chose dans vous. Amen. Si vous étiez comme tout le monde, vous n'allez pas être attaqué. Jamais vous ne pouvez pas ça. Et qui? On connaît le temps. On achète la Bible. Et à la Bible. On vous fera la gloire. Amen. Mais on ne vous fera jamais.
C'est Marlène. 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 Marlène.
C'est un combat. Et c'est un sale qui va mourir. Le plus de moi. Je ne laisserai pas mourir comme ça. Non. Son église aussi sera
sorcière. Vous avez 6 jours. Combien de jours? 6 jours. Et tout bien. 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 Amen. Bien. Papa, hein? Alors je sors, mais c'est moi qui au fané. Si vous ne voulez pas les problèmes, sortez avant le temps. Le Seigneur vous bénisse.